Et salut tout le monde, c'est Salam et Cheveux. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du display X et Y étincelle. Et je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis en compagnie de... Raipoza605, salut à tous. Donc, j'espère que tu vas bien. Oh bah oui, très bien, et toi? Ça va, j'ai couru pour aller acheter ce display parce que je finissais à 17h. J'arrive au magasin à 17h45 pour avoir ce display. Et le magasin fermé à 18h. Je croyais que tu t'es tapé les embouteillages. Ah non, ça j'ai de la chance. Donc, avant d'ouvrir le display, j'ai quelques petites choses à vous dire. Premièrement, je vais diminuer le rythme des vidéos. Après le display, je vais faire plus que deux ouvertures par mois, c'est-à-dire une toutes les 2 semaines. Mais la semaine où je fais pas d'ouverture, parfois il y aura une petite vidéo de Shiny Hunting ou quelque chose du genre. Donc, on verra bien. Deuxième, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire? Oui, merci à tous, car vous êtes maintenant près de 650, 6, ouais, 650 abonnés, plus ou moins. Donc, merci à tous. Pour les 700 abonnés, je prépare quelque chose. Certains, normalement, vous le savez parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc, on va passer tout de suite à la présentation de ce display qui est sorti aujourd'hui, le 24 mai 2014. On l'attend depuis un bail, celui-là. Ouais, normalement c'était le 14 mai, mais il était retardé de 10 jours. Elle est vraiment magnifique. C'est la série que j'attends depuis très longtemps parce qu'il y a beaucoup de Dracaufeu. Aimes-tu les Dracaufeu? Quoi? Est-ce que tu aimes les Dracaufeu? Oui. Alors, Pourquoi? parce que j'aime bien la famille Dracaufeu, c'est tout. Voilà. Parce que moi je suis Pokémon depuis que c'est sorti le dessin animé et tout, donc voilà. Salamèche m'a tout de suite tapé à l'œil, et après Dracaufeu aussi, Reptinceau aussi, donc voilà. Donc pour les illustrations, on voit un méga Dracaufeu X, qui est très beau. Magnifique. Un Kangourex, un méga Kangourex, un méga Dracaufeu Y, mon préféré, et un Emelios, qui est très beau aussi. Un peu moins beau que les autres, je trouve, personnellement. Mais il est quand même beau. Il est quand même beau. Donc voici l'arrière du display. Si vous voulez lire, mettez sur pause. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'ouverture. Donc on va ouvrir 12 boosters aujourd'hui. Ce qui est déjà un beau quota. Un tiers. Un tiers de booster. Donc les deux autres parties seront pour les 2 prochaines semaines. Ça ne changera pas. Quand il y aura un display, ce sera toujours entre les 3 parties directement. Justement, juste avant mes examens, quand il y aura tout au display. Et après. Waouh! Magnifique. J'avais pas vu qu'il y a été marqué étincelle ici. C'est vraiment beau, avec des flammes. Franchement, beau graphisme. Qu'est-ce que je disais au moins? Ah oui, donc le display, il y aura les 3 ouvertures. À la suite de l'autre sur YouTube, avec à chaque fois une semaine d'intervalle. Tu l'as déjà dit? Oui, mais ça je le redis. Donc on va passer à ouvrir 12 boosters aujourd'hui. On va pas prendre n'importe lequel. Ouais. Avec la chance, tu vas voir toutes les ultras en une seule partie. Je vais vous montrer les illustrations, Nemesis, Mega Kangourex, Mega Dracaufeu X et Mega Dracaufeu Y plutôt et Mega Dracaufeu X. Donc je vais prendre ces 4-là, je vais prendre celui-ci, celui-là. Donc là je suis à 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bravo, tu sais compter. Oui, j'essaie de compter, mais comme ça je prends un peu partout aléatoirement, comme ça ça change un peu, voilà. J'espère pour toi que tu auras un Dracaufeu de full art et non. Je veux au moins un Dracaufeu, au moins un. C'est sûr, t'en auras un, t'es obligé. Et on va commencer. C'était la même passe pour moi. Ouais. On va commencer par le premier booster qui est un Mega Dracaufeu X. Y.
Donc, voici le nouveau design des codes online, qui est très bien. Pour pas charger, ouais. C'est tout ce qui est très beau, je trouve. Cette série, on l'attend depuis longtemps. Et ouais. Voilà. Et on commence avec un pomme de pique. Moustéboué. Fouinette. Obali. Bagiguan. Flambeau incandescent. Culmicus. Culimucus plutôt. Coifferel que j'aime pas. Rakayu en common reverse. Et en rare, on commence avec un Milobelus holographique. On commence très bien l'ouverture de ce display avec une holo qui est très belle. Franchement. Oh le bel. Et voici le signe de étincelle qui ressemble plus à une petite flamme. Donc voilà. Elle est très belle, ce Milobelus est très beau. Donc, on commence très bien l'ouverture avec une holo. Deuxième booster, un méga Dracaufeu X cette fois-ci. Tu sais quoi, c'était sorti X avec toi. De base oui. Ça, c'était le 26 février, je pense, ou le 24 février, un peu du genre. Ça va. Il y a bien eu 3 mois d'intervalle. Je croyais qu'il était sorti en 200. Donc voilà. Deuxième booster, on a un Moufouette. J'espère que tu vois bien au moins. Ouais, ça va, t'inquiète. Menteur, tu vois rien. Et tu me le dis pas. Si, je voyais quand le graphique, le mieux blessé, j'ai bien vu celui-là. Roselia. De toute façon, c'est mieux pour les abonnés. Skelenox. Et Lionceau qui est très beau. Mascaïman. Farfuret. Crisacier. Celui-là, j'avais pas encore vu. Celui-là, j'avais pas encore vu ce Crisacier-là. Ouais. Écrémeux. Roucoule en Common Reverse. Et en rare. Strassi, holographique encore. Une deuxième holographique qui est très belle. Elle est vraiment magnifique. Pas mal. Deux holographiques, j'en ai même pas eu deux sur ma première partie. Je te montrerai les cartes bien après. T'inquiète pas. T'inquiète, quand je commence. Allez, troisième booster, un méga Kangourex. 1, 2, 3, 1, 2. Mais pourquoi tu m'as rien dit que tu voyais pas bien? C'est pas grave, j'ai pas dérangé. Skelenox. Flabébé. Pomme de pique. Fouinette. Barpo. Qui est moyen. Je préfère son évolution. Ouais. Coifferel. Flouette. Fanclub Pokémon. Flouette en reverse. Et en rare. Roucarnage. Waouh. Franchement, elle est classe, ouais. Elle est vraiment belle. Ouais. J'ai l'impression que toutes les cartes de la série sont ultra belles. Mais il y a eu un de ces travails sur ces illustrations de ouf. Franchement, je crois qu'il n'y en a pas eu d'illustration comme ça depuis longtemps. Ouais. Le code online, 1, 2, 3, 1, 2. Franchement, il y a un beau travail. Même, il y a eu une belle évolution par rapport à X et Y de base. Ouais, Psystigri, Fluvetin, Elionceau, Farfuret, Flabébé, Cube Protecteur. Je me demande à bien à quoi ça sert. Rien. À protéger Gilles. Ouais, et encore sûrement. Seracrol, Brésillon, il est trop beau. Ronflex en rare reverse, donc ça tombe bien, on aura deux rares dans le même booster. Il est vraiment beau ce Ronflex. Bouf. Bah, si, quand même, il est quand même beau. Hein. Ça, c'est trop beau. On a une tache sur la fond, là. Et Fermite en rare. Ouais. Deux rares, c'est pas mal. On est déjà près de 10 minutes de vidéo. Yeah. 10 minutes.
la ferme ou c'est... Même pas la moitié. Tu me laves la quoi. Tais-toi un peu, salam à cheveux. Et... ouvre tes boosters. Allez. Moufouette. Baggy One. Vanalg. En fait, je... Ok, je blablate trop beaucoup, mais j'ai envie de voir, d'admirer ces cartes. Passe rouge. Dame du centre Pokémon. Ils pouvaient l'appeler infirmière Joël, hein, ça revenait à la même chose. J'avoue. Roserade. Waouh. Belle. Crisacier. Mascaïmon en Common Reverse et en rare Ronflex, que j'ai déjà en Reverse. La chance, ça a mes cheveux. Oui, hein. Ensuite, un booster Mega Kangourette. Si j'ai pas d'ultra rare, je m'en fous pour cette partie-ci, parce que j'aime bien que j'en aurai au moins quelques-unes dans les autres parties, alors. Si j'en ai pas. Si tu te tapes un display sans ultra rare, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est impossible, je pense. Et on continue avec un Ponyta, Psystigris, Roucoule, Élionceau, Farfuret, Chartor, Tempête Magnétique, Fogler, Flabébé en Common Reverse et en rare. Papillusion. Il est beau, je trouve. Ouais. Franchement. Allez, je suis à la moitié maintenant des boosters. Bizarre qu'il n'y ait aucune carte de Salamèche dedans. Ouais, ça, je trouve ça décevant. Mais quand tu regardes nos X et Y de base, il n'y a pas eu le Bubizarre Carapuce. Ouais. Donc. Ouais, mais là, c'est plutôt une série consacrée à. À Dracaufeu, il n'y a aucune de ces sous-évolutions, c'est vraiment bizarre. Ouais. Ici, de base, ça, c'est Yveltal, Xania, c'est normal, c'est logique, ouais. C'est pas des sous-évolutions. Mais là... Ouais. Passe rouge, Lixi, Mascaïmon, Granipio, Roucoule, Registrami, Farfuret, Dame du Centre Pokémon, Diplodocus en Holo Reverse, donc je suis sûr que c'est une Holo Reverse. Ouais, elle est magnifique. Elle est très belle. Le type dragon, oui, on n'avait pas de type dragon dans XY de base. Le retour du dragon. Oui. Et Noctunoir en holographique, donc deux holographiques dans un booster, waouh! Pas mal. Ouais. En tout cas, j'ai déjà 4 holos, j'ai déjà 4 holos de la série, je suis déjà très content. Je pense que dans ce display, tu peux avoir 8 holos. En comptant les Holo Reverse. Ouais. Et il y a où le grand ici avec ta tête. Oh, on verra bien. Les codes online. N'hésitez pas à demander les codes online, j'en ai plein et que j'en ai avec plaisir. Oui, j'en ai même beaucoup parce trop. Ouais, ouais. La prochaine fois que je vais chez lui, j'en reprendrai quelques-uns, je vais les donner. Allez, on compte avec Mistébouée, Fouinette, Obali, Baguiguan. Élionceau, Hyperball, Escroco, un forgeron, et bah donc le design il est bizarre comparé au Pokémon. Ouais. Kémorse en rare reverse, deux rares dans un booster, je sais pas si c'est une holo. Franchement je serais pas dit. C'est pas normal. Donc c'est une rare. Et Milobelus en holographique que j'ai en double. Ça, c'est la mèche que tu es en train d'agir. Ouais. Ouais. Dès que tu as une carte, tu vas avoir une deuxième fois. Allez, on entame les 4 derniers boosters maintenant. Allez, moi je dis au moins un Dracaufeu X pour un méga Dracaufeu. Tout le monde le trouve, là, je pense. Je me dis, si j'ai pas maintenant, ce sera dans la prochaine vidéo. Rakaillou. Flabébé. Moufouette. Roselia, Opermine, Gravalanche, Écrémeux, Galoppa, qui est très belle. Donc, Moufouette en Common Reverse et en rare, Locpin. Pas mal,
Il est très beau, lui aussi. Ouais. Allez. Méga Kangourex. Donc on peut remarquer que les boosters sont très fragiles pour pas changer. Ouais, j'avoue. Pour pas changer. Si, il m'a refilé cette expression-là. De quoi pour pas changer? Ouais. Demande que je t'ai donné d'expression aussi. Allez, on continue. J'ai pas à dire, ouais. Avec Obali, Loporay, Chenipan, que j'avais pas encore eu, Galvaran, Ponyta, Love Disc, Hyper Ball, Gravalanche, Igualta en Rare Reverse. Donc, du rare en booster. Ouais. La dame du centre Pokémon en holographique, en full art. Oui, mais moi, contrairement à toi, moi, j'aime bien celle-là. Elle est belle, comparée à ton Lysandre. Comparée à ton Lysandre. Elle est À la ma. base, je devais avoir dans mon display. Vu que monsieur n'arrêtait pas de dire Dame de Saint-Pokémon en full art. Ouais, mais moi, je suis content de la voir. Elle est jolie. Allez, je vais vous la montrer de plus près. Elle est magnifique. Oh, Donc, c'est dégueulasse. c'est la 105e sur 106e. Franchement, rien à redire. Je suis très content. Parce que elle n'a rien, aucun défaut à l'arrière. C'est rare de la jouer. Ouais. Mais j'ai l'impression que l'effet full art est moins marqué qu'avant. Parce que je trouve que c'est plus marqué. En tout cas, avec mon lisant. Hein. Et alors, on va entamer maintenant les deux derniers boosters qui sont des Dracaufeu. Bon, moi je suis très satisfait de mon ouverture là, avec beaucoup d'holographiques, une full art. Que demander de plus, franchement? J'avoue. Ok, je suis satisfait pour un rien, mais je trouve que j'ai une belle ouverture. Galvaran, trop cool. Chenipan, Grelasson. Barpo, Maracashi, Pifeuil, Rookoops, que je n'avais pas encore, maintenant je l'ai. Aubermine en commune reverse et en rare Quillfish. Ouais, pourquoi en Quillfish? On se demande vraiment bien. Allez, dernier booster de cette ouverture, qui aura quand même duré 19 minutes l'ouverture. Moi je m'en fous, c'est du XY étincelle. Ça vient de sortir. Pour faire une bonne vidéo, une bonne présentation, il faut tout ça. Ouais, et je crois que j'ai tout dit ce qui devait se dire dans la présentation. Et on termine ce booster avec un Mucuscule. Flabébé. Mascaïman. Grelasson. Pomme de pique. Pifeuil. Escroquo. Forgeron, Papillusion en rare reverse, deux rares dans un seul booster, et Cravarèche en rare, que je n'avais pas. Donc voilà, c'est ici que se termine la vidéo. Je ne vais pas faire de récapitulatif. Donc, Ah, enfin, t'as compris. je vais laisser en arrière-plan l'infirmière Joël, qui est très belle, avec quelques Ouais. petites holographiques que j'ai eues. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà. Infirmière Joël. Donc le Milobélus que j'ai en double est à l'échange. Donc n'hésitez pas à me demander. Donc Donc on fait ceci. si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce vert en commentaire, ça fait toujours très plaisir. Donc allez voir la chaîne de Rekkyosa 1605. C'est un très bon ami. Ouais, bah abonnez-vous aussi à la chaîne de Sam et Cheveux, hein. Ouais. Important. Plus il y aura les 700 abonnés, plus vous serez content. Parce que Pourquoi? moi je serai content, mais vous serez encore plus content parce qu'il y aura un petit concours. Donc voilà. Aïe, léger. Et Rekkyosa 16h05 c'est quoi les lots, mais il ne dira rien, sinon je lui pète sa gueule. Allez, Alors, hello, c'est... on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie du display XY étincelle. Allez, ciao tout le monde!